Hey, salut à tous, c'est Steph et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain et on va parler à Oslo. Oui, je suis venu. Make Diamond Dogs the force it deserves to be. Like any organization, we need good people and we need to make good use of their talents. Okay. Miller asked me to lay that out for you. C'est quoi ça? Start bringing people in. Use this. Ah oui, c'est les ballons, ça. It's a Fulton recovery device. When you're in the field, use it to extract any soldiers or prisoners you want back here. Okay. We'll see if we can't persuade them to join the ranks of Diamond Dogs. Go on. Test it out on the staff here. Anyone you want. First, put them to sleep. You have a tranquilizer gun, don't you? It's an honor, boss. Out like a light. Now approach him and extract him. Ah ouais, le Y. Voilà, et puis il va s'envoler comme ça. Good. Extraction arrived at Mother's. You can only Fulton recover someone if they're not resisting it. No dead bodies either. It don't make great recruits. Ah ouais, c'est sûr. Staff member you just extracted will be assigned to the team best suited to his abilities. See for yourself. Open your eye droid. Select staff management from the mother base menu. C'est son personnel. So that staff member was placed on the R&D team. The R&D team is in charge of developing all kinds of weapons and items that will support you on missions. Okay. Take a look at the development list. Select weapons items under the development heading. Personnel. What's wrong? No, select non, weapons items under the development heading. Arme équipement, ouais, c'est ça, c'est pas. Hein. Please specify. That's the R&D team's development list. See the item called cardboard box? Didn't seem much use to me, but Miller was adamant that you'd want it on the list. The last word in infiltration technology, or so he said. In any case, we don't have the manpower to develop it just yet. We need more staff on the team. Go extract a few more people. Ça c'est cool. Boss, put the iDroid away for a moment. You can also Fulton extract individuals you've knocked out. Why don't you try knocking someone out with CQC next? I'm ready, show boss. Them how it's done, boss. Try throwing them. It's the best way to knock someone out instantly. Huh. I suppose that works too. Good. C'est cool. C'est rigolo. One thing I should mention. A Fulton extraction won't always be successful. If the person is injured, the shock of it could kill them. And if the weather's unfavorable, well, they could end up going missing. You can determine the chance of success by approaching the person you want to extract. If you want to be sure you can get them out, best carry them to the chopper instead. All right. Extract the next staff member. Il y a un monsieur qui vient se présenter à moi. Là. Pourquoi je suis rempli de sang partout là? Let's do this, boss. If there are multiple adversaries nearby, perform CQC on them in quick succession. This allows you to take them all out before any of them can strike back. Oh, ça fait mal, hein? Ouais, là, il y a les pourcentages. Extraction arrived at the mother base. Open your eye droid. Project has been added. Select weapons items under the development. Please specify. Now select project. Cardboard box and start development. Just be okay. Aware that development requires funds. GMP. Watch we don't end up in the red. Ok, donc ça coûte niveau. Ok, niveau d'unité de soutien. Ok. Voilà. Development has finished. Demande d'engagement, oui. Please select a drop point. You can have the support point. Unit supply you with weapons and items you've developed. Think of it as your own personal delivery service. Oui.
Supplies requested. Ah, on peut le demander là où on veut. Supply drop complete. Hey. Ah, c'est cool. Franchement, c'est super intéressant. Donc, ça fait que si par exemple j'ai plus de silencieux, je peux toujours en commander. Hein, si jamais je le développe. Putain. And there it is. Not sure what it's good for, but Miller said you know what to do. Try it out. One last thing. The staff members you extracted were all placed on the R&D team, but that was Miller's decision. If you think they belong somewhere else, you're free to move them around. Well, that about does it. You won't make any GMP or find recruits hanging around here. Board the chopper when you're ready for a mission. Open your iDroid and select a landing zone to tell it where to pick you up. Or if you're still in the mood for knocking guys on their asses, you can stay around here a while. Give the men some practice. Just come pay me a visit. Le mec il sort de sa cachette. Boss, let's practice your CQC. Begin by grabbing it. Once you've grabbed someone, you're free to do as you like. Interrogate him, knock him out, kill him. Scratch that last one for now. Go ahead and knock him out. Let's do this, boss. Good. Extract the staff member. Extraction arrived at mother base. Strike an adversary repeatedly to knock him out. Ah, c'est pas mal. Give it another try. Toujours pas KO? Extraction arrived at mother base. Putain, j'ai le vert sur tous les soldats. T'es fou? Extraction arrived at mother base. Mission, hélicoptère après hélicoptère. Rendez-vous. Please select a landing zone. Landing zone. This is Pequod. Arriving shortly at LZ. Déjà? Putain, il est sacrément rapide. Salut les gars. A plus. C'est trop la classe. Elle me dit coucou et tout. Même celui en bas là. Ils sont pas très nombreux hein. Pour un si grand bâtiment. Extraction arrived at mother base. Niveau 4. Development project has been added. Putain, on peut développer plein de choses. Cool. Cool, 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 cool. Rang, il n'y a pas de rang, forcément. On a perdu des thunes, c'est normal. Et on n'a pas gagné d'héroïsme parce qu'on n'a rien fait d'héroïque. C'est quoi ça? À chaque épisode, t'as un genre de générique comme ça, ça fait un peu bizarre. Hein. C'est un petit peu déroutant. À chaque fois, t'es obligé d'avoir un truc genre ouais. Kojima, tout ça. Arrière plug d'identité, ouais. Ça sert à quoi?
Ok. Mission list updated. Boss, I know you haven't been back long, but I've prepared a list of missions for you. Open your iDroid. C'est quoi ce Y là? Démission. Please select a mission. Wow. I've taken the job offers Diamond Dogs has received and made a list of those I want you to consider. Which ones you accept is your call. The objectives of the missions I've added are prisoner rescue, facility sabotage, and high value target elimination. Okay. Probably all a walk in the park for you, but they should help you get back on your feet. I put the mission details on a cassette tape. Refer to it if you decide to accept the mission. We'll receive GMP for completing missions, and extracting soldiers and prisoners will boost our ranks. Building up Mother Base is the first step to achieving our goal. If that means wet work, so be it. We're gonna have to get our hands dirty. I hope you rested up, because we're not stopping. Not until the pain is gone. The future of Diamond Dogs is in your hands. We're counting on you, boss. Ok. Donc, on a 3 missions. Une qui rapporte 90 000 et deux qui rapportent 100 000. On a donc éliminé le commandant du détachement d'espèces nazes impliqué en secret dans l'opération Tête Brûlée en Afghanistan. Reconnaissance occupe le village, se prépare à un assaut. Ok. Ça, ça peut être intéressant. Extrait ingénieur qui a tenté de s'échapper du coup. Moi, ça me paraît plutôt pas mal, hein. Boss, information warfare is more than just intel gathering. It also means disrupting enemy communications. Your mission is to punch a hole in the comms network between the Soviet outposts. That'll cut off their means to call in reinforcements. Technically, we were given this mission by a Western-backed Arab organization supporting the guerrillas. But it'll also give us a leg up in the future. Ben ouais. Take a look at the location of the Eastern Communications Post on your iDroid. Head there and destroy its comms equipment. He who controls information controls operations. Just look at Cypher. Ben ouais, ouais, non, mais je comprends tout à fait. Dans cette mission, je la trouve intéressante. On va faire ça. Mission accepted. C'est où qu'il faut aller, en fait? Danger faible, ouais. Heading to Afghanistan. Allez, on y va. Oula, on a plusieurs équipements. Choix de l'équipement, arme principale. Wow, GG. Alors, on a un fusil d'assaut classique. Fusil à pompe, lance-grenade. Alors, on a un petit pistolet. Ouais, on peut pas l'avoir en silencieux. Un pistolet mitrailleur. On va prendre quand même le pistolet parce que le soutien, qu'est-ce qu'on a, chargeur. La boîte, le cigare, et les outils. Ok. Coût du déploiement, d'accord, il y a un coût du déploiement carrément. Dès que possible. De que possible. C'est pas mal ça, il y a pas mal de petits paramètres qu'on peut... Ça m'a envie d'attaquer de nuit, ou quand il fait un peu sombre, au matin. C'est plutôt sympa. Dommage qu'on puisse pas choisir l'heure exacte. J'attaquerai à 2h, 2-3h du mat, quand les gens ils dorment. C2W. Donc ouais, c'est des courtes missions, mais ça coûte... You need to disable the Soviets' reinforcement system by putting a hole in their base-to-base comms network.
head for the Eastern Communications Post and destroy its comms equipment. First, use the binoculars to locate the communications equipment at the facility. On voit pas là le truc. On attend qu'il se stabilise quand même. Be careful down there, boss. Ok, merci. Allez. L'objectif est ici. This is no time to be playing with animals. What are you gonna do, boss? Je vais aller voir. Vas-y, je le prends. Le Cleps. Ah, c'est énorme. Roger that. We'll pick him up. Oh putain. Alors, si on suit la route, il y a un avant-poste un peu plus loin. Personnellement, je changerais bien de côté de la montagne. On va passer par là. Ça va pas changer grand-chose. On va avoir un très très grand angle d'attaque. On va se mettre comme ça, manière de... manière de passer en scred. Bon. Marker placed. Merde. Marker placed. A Soviet soldier. A lot of them came from Central Asia before, but lately they've been using more and more Russians. Simple, really. There's less hesitation to pull the trigger if they're not fighting their own race. Morbid cynicism, but it gets results. That's humanity for you. Il est seul. Bizarre qu'il soit seul. Extraction arrived at mother base. Animal sauvage. On a cette musique forte là. En fait, il y a toute la place du monde là. Passons plus long.
C'est l'arbre qui bouge. Bizarre qu'est-ce que c'est vous demande. Il y a un diamant dedans. Il y a surtout un gars dans la baraque qui doit être en train de pioncer. Du coup, je vais pas les tuer maintenant. Si on peut en faire des soldats. Voilà le premier soldat. Pourquoi tu t'es réveillé comme ça? T'aurais pas dû, mon garçon. Guard post captured. Le problème c'est que j'en ai que 11, hein. Là, c'est encore mieux que de les tuer, du coup, ça laisse pas de traces. Ça a pas dit que ça dit que j'ai libéré l'avant-poste. Un truc comme ici là. Niveau d'alerte faible, mais ici ça dit que si j'ai déjà allé ou. Tant que c'est à moi ou. Non, bref. Extraction arrived at mother base. Voilà. Fais comme si tu bouffais par terre. C'est excellent ce truc. Calme-toi. Ne te stresse pas comme ça. On va regarder où est-ce que c'est sur la map, d'accord. Juste après le prochain virage.
va descendre à partir de là parce que je ne sais pas où sont les premiers gardes. You have arrived at your destination. Ah oui, je suis en train de voir s'il n'y avait pas des plantes en ce moment. You made it. First, use the binoculars to locate the communications equipment at the facility. D'accord, c'est un espèce de poste. Putain, c'est tout ça qui gère les communications ? Ce petit truc de merde là ? Bah non, c'est là-bas. C'est quoi ça? Tragissime. D'accord, elle est dans le renfoncement de la montagne là. Un sniper, ça serait pas de refus quand même. Hein. Sniper silencieux de préférence. Si je fais ça, est-ce que j'ai accédé à la motorbase? Oui. 99 de nos trucs, gestion du personnel. Équipe recherche et développement. Déjà on a tout ça. Unité de soutien, cellule, tout le personnel. Oh, on va laisser le personnel tel qu'il est. Base de données, on s'en fout. Ce sont des ressources, ça se passe quand même. Je garde un petit peu. Hein. Ah, c'est long, hein. Ah. Ah, ça, c'en est un. C'est un biologique, on dirait ça. Les matériaux bruts. Armes placées, véhicules. Ça, on peut récupérer des trucs comme ça? Please specify a project. Wow. Renard du désert. Du C4, grenade fumigène. Ah ben voilà, des pistolets un peu. Ah là par contre c'est des pistolets qui font du dégât. Silencieux qui font du dégât. Des revolvers, des espèces de pitons et tout. D'accord, il faut débloquer un pour débloquer l'autre. Ok, c'est pas mal fait. C'est pas mal fait. Alors lui, je ne peux pas le faire. Il me faut un niveau d'équipe de recherche et développement de niveau 7. Et j'ai que niveau 4. Après on a des mitrailleuses mais je m'en fous, on a des fusils d'assaut mais je m'en fous, pareil. On a déjà ça, ça serait bien avec les lunettes. Ok, intéressant, fusil à pompe mais je suis pas trop fusil à pompe moi. Les lance-grenades ça peut être utile en cas de grabuge. Les fusils sniper ça m'intéresse, il n'y en a pas un si celui-là est un silencieux. Il faut au niveau 18. Et pas plus proche qu'un silencieux. Hein. Non. Chargeur 5 coups. On pourrait faire celui-là. Oui. Ensuite on est sulfateuse, mais on peut pas le faire. Ici des lance-greux, mais on peut pas les faire non plus. En fait il faut que j'aille sur tous pour dire que je les ai vus quoi. Voilà, hop, 5, on va faire ça comme ça, ça. Si on a un truc nouveau, on sera, on le saura au moins. Douze, on a des fusils d'assaut.
avec silencieux de préférence. Celui-là aussi on peut le faire. Mais il peut pas avoir de silencieux. Réserve de carburant. Carburant. Des fusils comme ça silencieux, ça, ça serait bien. Normalement, je suis derrière un rocher, on n'est pas censé me voir. Hein, j'entends parce que derrière le jeu continue à tourner. Hein. Du coup, on sait pas qu'est-ce qui se passe. On va regarder qu'est-ce qui se passe là. Il y a un camion qui est allé se foutre ici. Recherche et développement, donc armes et objets. Please specify a project. Conditions de développement remplies, d'accord. Si on est dans cet écran là. D'accord, les tenues, tout ça, c'est pas mal. Lunettes de Rocco. Ça, c'est bien. Les boîtes. Les visions nocturnes, tout ça. Hop, les mines. Il y a quand même pas mal de choses. Hein. Ah, c'est pas mal. On peut attirer les animaux sauvages. C'est bien, on peut utiliser les animaux sauvages. C'est plutôt pas mal, un bouclier. Allez, on va se mettre en un petit truc aussi, un petit numéro au-dessus de toutes les armes qui nous dit, ben voilà, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça. C'est plutôt sympathique. Alors moi, ce qui m'intéresse, on est quand même pas mal dans le désert, donc un camo désert. Moi, ça m'intéresserait plutôt. Non, ne fais pas de largage, c'est pas la peine, hein, c'est pas grave, je prendrai ça la prochaine fois. Un petit fusil de snipe, ça serait plutôt pas mal. Grenade éclairante. Ça, ça peut être pas mal, le C4. Le C4, je pense que ça peut être utile. Je crois que le camion qui passe devant, là. Non, le fusil sniper. Après, le fusil à bombe, je vais pas l'utiliser. Ça, je pense pas non plus. Le pistolet, je vais pas l'utiliser non plus. Et la grenade... allez, ça peut aider, mais c'est tout. Hein. C'est tout, c'est tout. Est-ce qu'il y a des nouveaux trucs, du coup? Je pense pas. Hein. Please specify a project. Ah, quoi que, attends. Please specify a project. Mon fusil de snipe, ça va débloquer si, ça va débloquer des nouveaux trucs. Ah, c'est à partir de celui-là, il doit être silencieux, non? Mission tranquillisante. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Il faut avoir quoi? Il faut avoir une équipe médicale. Qu'est-ce qu'on a en plus ici? Ah, les grenades éclairantes. Ah oui, du coup, on a débloqué de nouveaux trucs. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Du C4. Et en tenue. Qu'est-ce qu'on a trouvé comme tenue? Renard du désert. Tenue amphibie. Et voilà. Bon. Eh ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter ici, étant donné qu'on a déjà débordé. On a déjà débordé, du coup. C'est quelle heure, du coup? C'est 4h du mat. Le temps qu'on regarde un petit peu notre menu. En tout cas, on a appris plein de petits trucs sur la base et tout, sur ce qu'on pouvait développer. Et on pourra avoir un sniper la prochaine fois, ça sera cool. Mais ça sera utilisé, bien entendu, pas forcément souvent. Hop là. Passe à côté, autant le prendre. Hein. Ce qui m'énerve, c'est cette lumière là. Et j'ai dit qu'on allait s'arrêter. Donc on va s'arrêter ici.
dans ce petit cabanon. Donc en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça me fera très très plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager sur les réseaux sociaux et à commenter si vous avez quoi que ce soit à dire. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la suite de cette aventure sur Metal Gear Solid 4. Il y a des gens partout. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour la suite de cette aventure sur Metal Gear Solid. Allez, ciao!